Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être connecté ce soir, ça fait super plaisir donc connecté à notre nouvelle émission Un moment d'intimité. Je vous avoue que ça me fait un peu bizarre d'être là, c'est pas le tournage des annonces, c'est pas la louange du dimanche. Je vous avoue que j'ai vachement le trac, mais l'essentiel c'est que le Seigneur soit là avec nous et qu'il soit glorifié. Donc vous vous posez sûrement la question, qu'est-ce qu'on fait en fait ce soir concrètement, c'est quoi cette nouvelle émission? C'est tout simplement, en fait le nom de l'émission porte vraiment l'essence de ce que nous allons faire. C'est vraiment de mettre un temps à part pour avoir un cœur à cœur avec le Seigneur. Donc ça va être légèrement différent de la louange de nos cultes du dimanche, où on ressort des chants qu'on a répétés, etc. Ça sera beaucoup plus une adoration peut-être plus simple, très spontané en fait. Vraiment l'objectif à travers cette émission, c'est de nous donner un outil supplémentaire tout simplement pour louer le Seigneur. Et en fait, ça, c'est destiné à être plutôt quelque chose que vous pouvez utiliser à la maison pour accompagner votre temps avec le Seigneur. Donc vraiment, je vous encourage fortement. C'est pas une émission qu'on met en arrière-plan pendant qu'on fait la cuisine ou le ménage ou autre. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez prendre ça comme juste comme un outil pour vraiment passer votre temps avec le Seigneur. Que vous soyez pas juste à l'écoute de ce qui va être chanté, mais que vous puissiez lever vos voix et chanter vos propres louanges. C'est vraiment le but de cette émission. Donc ça va être voilà, une heure ensemble, donc le jeudi soir, une fois par mois pour l'instant, et voilà, où on va juste déverser notre cœur auprès du Seigneur. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais nous inviter maintenant à prier pour vraiment remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Alléluia, vraiment, Seigneur Jésus, merci pour cette soirée, Seigneur, merci pour ce temps qu'on va passer ensemble, Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui se sont connectées ce soir, qui vraiment expriment ce désir d'avoir plus de toi, Seigneur. Et je sais que ça réjouit ton cœur, Papa, de voir la faim et la soif de ton peuple, Seigneur. Vraiment, Papa, notre objectif ce soir, c'est tout simplement de bénir ton cœur, de toucher ton cœur, de t'honorer, te glorifier, Papa. C'est vraiment notre objectif ce soir. Donc vraiment, je te demande de prendre le contrôle total de ce moment, Seigneur, de prendre le contrôle de nos pensées, de nos paroles, Seigneur, pour que vraiment, Papa, ton nom soit glorifié et que ta volonté parfaite s'accomplisse, Seigneur. Vraiment, nous t'invitons, Papa, à agir comme tu veux, à vraiment faire tout ce que tu veux dans nos vies ce soir, dans le nom de Jésus, Seigneur, et que vraiment tu sois glorifié, Papa. Et que nous puissions réjouir ton cœur à travers notre amour et notre adoration, Papa. Amen. Alléluia, amen. Alléluia. J'aimerais ajouter aussi voilà, ce temps, comme on a dit, c'est vraiment un moment de cœur à cœur. Et voilà, je prétends vraiment pas à quoi que ce soit. C'est vraiment un moment où on peut vraiment livrer nos cœurs au Seigneur. Donc je vous invite à vraiment faire ça comme vous voulez, que ce soit assis dans votre canapé, allongé dans votre lit, debout, en train de marcher tout autour de votre appartement, peu importe. Mais vraiment que voilà, qu'on puisse tous ensemble vraiment juste déverser notre cœur, notre amour et vraiment honorer notre Papa ce soir. Alléluia. Le Seigneur m'a donné un passage à cœur pour ce soir qui est dans Ésaïe 29. Ésaïe 29, à partir du verset 13. Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font de leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ? Quelle perversité est la vôtre ? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile, pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier « Il ne m'a point fait », pour que le vase dise du potier « Il n'a point d'intelligence » ? Encore un peu de temps et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt.
en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel. Et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Et je pense que c'est vraiment un appel du Seigneur ce soir à ne pas agir de façon hypocrite et de dire « Ok, bah Seigneur, je te loue », alors que le cœur n'y est pas. Ça sert à rien. Il veut vraiment des adorateurs en esprit et en vérité qui vont l'adorer de façon honnête, de façon transparente, de façon entière, complète et vraiment dans un abandon total envers lui et envers sa présence. Et quel est le résultat? Le résultat de ça, après des miracles et des prodiges, c'est que les sourds entendront, que les aveugles verront, que les malheureux se réjouiront. Amen. Et que les pauvres vont aussi se réjouir dans l'allégresse du Seigneur. Donc voilà, je pense que c'est vraiment l'appel de Dieu ce soir, c'est que voilà, on ne fasse pas semblant. Voilà, on ne fait pas semblant, on est vraiment dans un cœur à cœur avec le Seigneur, on est face à face avec lui, en toute transparence, en toute simplicité. On vient comme on est, mais pour être transformé. Et pour vous dire, voilà, on est vraiment dans un moment en famille. D'ailleurs, si vous entendez un petit bébé chouiner dans l'arrière-plan, c'est normal. Voilà, parce qu'on est tous dans notre salon ce soir. Mais voilà, ne vous inquiétez pas. Et je voulais aussi ajouter que, voilà, n'hésitez pas, comme j'ai dit, on est en famille. Et l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez vivre votre moment. Mais je crois sincèrement que le Saint-Esprit aussi va utiliser ces moments-là pour nous parler. Je prie que voilà, le Seigneur m'utilise, mais si vous-même vous avez, je ne sais pas, un verset à cœur, n'hésitez pas, pourquoi pas, à le mettre dans le chat, voilà, à participer aussi de votre façon. Bon, sans forcément écrire 10 000 messages non plus, mais l'objectif c'est voilà, si le Seigneur peut aussi vous utiliser et par un petit message dans le chat, ça peut toucher quelqu'un. Voilà, on est vraiment tous ensemble ce soir pour honorer le Seigneur et se bénir les uns les autres. Voilà. Alléluia. Ben, Seigneur, Alléluia, prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, corre, mamma, yara, shatara, corre, yara, 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 Jésus, Jésus.
chant de ton trône de gloire, ton trône de gloire. Nous venons à toi, nous venons à toi. Offrir nos cœurs en sacrifice, t'offrir nos cœurs en sacrifice, t'offrir nos cœurs. Je sens que certains d'entre vous qui regardent, qui entendent ces paroles, offrir notre cœur au Seigneur, se disent ouais, mais moi mon cœur il est moche, ou mon cœur il est brisé, mon cœur il est meurtri, mon cœur il est abîmé. Oui, mais moi mon cœur il est incomplet, il est souffrant. Peu importe l'état de votre cœur, peu importe l'état de ton cœur ce soir. Ton papa, il veut ton cœur tel qu'il est pour le toucher, pour le transformer. Ton papa te voit dans la souffrance, mais il te dit justement, mais mon enfant, juste viens à moi, viens à moi. Peu importe ton état, peu importe ta souffrance, moi je veux te toucher dans cet état. Je veux te toucher dans cet état. Et je veux utiliser même cet état pour me manifester, pour manifester ma grâce dans ta vie. Pour t'amener dans un niveau d'intimité que tu n'as jamais connu auparavant, un niveau d'intimité où malgré, même dans la souffrance, ou même dans la confusion, ou même dans la tristesse ou la dépression, de vivre l'intimité avec moi, de vivre l'intimité qui finalement ne dépend pas des circonstances, ou ne dépend pas de notre force physique ou émotionnelle ou spirituelle. Alléluia, le Seigneur dit, viens mon enfant, peu importe l'état de ton cœur ce soir, donne-moi ton cœur, livre-moi ton cœur, dépose-le sur l'autel et laisse-moi agir. Alléluia, laisse-moi agir. Alors prends tout, Seigneur,
tout maintenant, il prend tout. Il prend tout. Pour créer un cœur nouveau. Pour créer un cœur nouveau. Fort et restauré, guéri complètement. Un cœur en parfaite santé. Alléluia. Un grand cœur. Un cœur rempli d'amour. D'amour et non de haine. Un cœur rempli de paix et non de détresse. Un cœur rempli de la force du Seigneur et pas de la faiblesse humaine. Alléluia. Prendre ton cœur blessé ou souffrant, il veut le prendre, il veut le créer de nouveau, le renouveler, mais le faire vraiment nouveau. Et il nous le redonne, il te redonne ton cœur maintenant fait complètement nouveau pour que toi tu puisses lui offrir ce nouveau cœur en parfum d'adoration, lui redonner ce cœur. Mais rempli d'amour, rempli d'ébordance. C'est plus un cœur vide et sans espoir. Ce n'est plus un cœur blessé et affaibli, mais c'est un cœur qui déborde de vie, d'amour, de joie. Un cœur qui déborde maintenant de passion et de feu pour le Seigneur. Thank you.
pas juste venir à mes pieds. Je t'invite à venir dans mes bras maintenant. Merci pour ce cœur d'adorateur, de serviteur qui vient à mes pieds, mais maintenant je te veux dans mes bras. Je te veux contre moi, contre mon cœur. Je te veux dans mes bras. Thank you.
Je veux être avec toi, il n'y a pas plus grand plaisir. Je veux être avec toi. Je veux être avec toi. Il n'y a pas plus grand plaisir que d'être avec toi. Rien, rien dans ce monde ne se compare. Un moment avec toi, un moment vraiment avec toi. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur que d'être avec toi, papa, Jésus. Car tu es tout pour moi, car tu es tout pour moi. Oh Seigneur, pardonne-moi pour tous les moments où je m'égare, je me laisse distraire. Attire-moi à nouveau vers toi, vers ce lieu d'intimité où rien d'autre, rien d'autre n'a d'importance que toi, que ta présence. Oh Jésus, oh Jésus. Pardonne-nous, papa. Pardonne-moi, Seigneur, pour tous les moments où je laisse les distractions, même les bonnes distractions de la vie, Seigneur, me voler de ce temps, Seigneur, me voler de cette intimité. Tu as payé un prix trop grand pour que nous nous laissions distraire, Seigneur. Tu as payé un prix trop important pour que nous soyons déstabilisés et bousculés de tous les côtés, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, je prie maintenant que tu renouvelles cette intimité dans chacune de nos vies, Seigneur. Même pour les personnes qui arrivent à jamais se laisser distraire, Seigneur, je demande plus, Seigneur, plus pour eux, Seigneur. Plus pour chacun d'entre nous, Seigneur. Permets un retour aux sources, Seigneur. Un retour au vrai cœur d'adoration, Seigneur.
la vraie intimité, Seigneur. Ce moment où littéralement tout autour de nous disparaît et s'évapore en un instant. On oublie où on est, ce qui se passe. Et on est complètement captivé, Seigneur, par toi. Complètement. Complètement captivé, complètement. Complètement captivé, Seigneur. C'est pas anodin ce qu'on est en train de chanter ce soir. Je sens vraiment que le Père nous invite à prendre une décision, à faire un pas. Si toi aussi tu luttes autant que moi d'avoir un moment vraiment spécial avec le Seigneur, quotidien. Le Seigneur dit ok, aujourd'hui on change ça. Ok, ce moment qu'on passe ensemble, c'est super, mais là, il faut que ça change, et il faut que ça soit quotidien, et il faut que ça devienne une vraie réalité pour chacun d'entre nous. Je t'encourage vraiment à prendre cette décision tout de suite, si tu as besoin d'aller chercher quelque chose pour noter, ou fixer quelque chose dans ton agenda, ou mettre un pense-bête sur ton frigo, je sais pas. Mais voilà, que vraiment on fasse un engagement ce soir. Vraiment nous tous. Et je m'inclus dedans, le nombre de fois où il y a trop de trucs qui se passent dans la journée et hop, mon temps avec le Seigneur, il passe comme ça, ou alors il est un peu superflu. Je sais que vous savez de quoi je parle. Je pense qu'on est plusieurs à vivre ça. Mais c'est vraiment une question de juste poursuivre Dieu. Vraiment juste poursuivre Dieu, de faire un pas, de prendre une décision. Et c'est vrai qu'on... Le nombre de fois où moi j'ai pris une décision dans ma vie. Et je... Oui, il y a des jours où je me suis pas tenue, mais... Mais le... En fait, le Seigneur juste demande... Ok, oui, plein de fois tu t'es laissé distraire, ou plein de fois t'as laissé XY prendre la place sur ce temps avec moi, ou en fait peu importe tout ça. L'essentiel c'est que t'ailles juste de l'avant et que tu continues ta poursuite, tu continues ta course. Ok, je trébuche, je continue, ok Seigneur, mince, aujourd'hui... Mon temps avec toi s'est passé super vite. Bon, ok, mince. Mais maintenant, je vois que j'ai encore le temps aujourd'hui. Je continue, je prends ce temps-là avec toi. C'est juste une question d'une poursuite quotidienne. De juste continuer, de juste dire ok. Quand on entend la voix de l'accusateur qui dit « Ouais, mais pense à toutes les fois où... » Ouais, mais non, d'accord, ok. Je sais... Je connais mes moments, je connais mes erreurs, mais peu importe tout ça, je me suis repentie, le Seigneur m'a pardonné, donc il n'y a pas de raison
pour laquelle je devrais recommencer à penser à tout ça. Non, ok, je poursuis le Seigneur. Tout simplement, poursuivre le Seigneur. Alléluia. Tout simplement, poursuivre le Seigneur. Et on va continuer dans ce temps-là, juste poursuivons le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, Papa, je cours après toi, Seigneur. Peu importe le nombre de fois où j'ai été distraite à droite à gauche, le nombre de jours de ma vie où, mince, bah, j'ai un peu loupé le coche par rapport à mon culte personnel. Mais peu importe, Seigneur, je cours. Je cours après toi, Seigneur. Je te poursuis, Seigneur. Je te poursuis, Papa. Alléluia. Je te poursuis, Seigneur. Je te poursuis. Tu as payé un prix trop important pour que je me morfonde dans la culpabilité ou dans la tristesse de mes erreurs passées, Seigneur. Tu as trop donné pour que je fasse ça, Seigneur. Tu nous appelles à venir, Seigneur, et à te poursuivre quotidiennement, Seigneur. Peu importe nos circonstances, peu importe nos manquements, nos faiblesses. Juste à te livrer nos cœurs de façon quotidienne. Et constante, chaque seconde. Juste te livrer nos cœurs, déverser notre amour, Seigneur. Alléluia. Je te déverse mon cœur, je te donne mon amour, je te donne mon amour, je déverse mon affection à tes pieds, Seigneur. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je déverse mon cœur. Je t'aime, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es magnifique. Tu es si beau. Tu es si grand. Tu es si bon. Tu es si digne. Oui, tu es. Loin dans l'intimité.
J'irai toujours plus haut, toujours plus loin. Peu importe les obstacles, les défis, j'irai toujours plus haut, toujours plus loin. Oh, je le déclare, je le proclame, c'est acté, j'irai toujours plus haut. J'irai toujours plus loin. Là où tu es, là où tu es, je veux être. Là où tu es, là où tu es. Des fois, il faut pas plus que juste dire oh, Seigneur, je t'aime, je veux plus de toi. Je pense que des fois, en tant que chrétien, on aime que tout soit bon, que tout soit ok, nickel. Ok, bon, faut que je passe un temps avec le Seigneur. Ok, il faut que je fasse ça. Il faut que je sois dans ces conditions-là. Ah oh, mince, j'ai pas fait tout ça. Ou j'avais pas tout ça à disposition. Quoi. Des fois, je pense qu'on se prend trop la tête. On se complique la tâche, en fait. Le Seigneur, il veut juste notre cœur. Il veut juste notre amour. Et des fois, il suffit juste... dire ok Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, je t'aime Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Même quand on s'aperçoit à la fin de la journée, mince, mon culte personnel il m'est passé sous le nez, oh là là, non il faut que je fasse ça, non en fait, juste m'arrêter, juste tout simplement dire ok Seigneur, je suis désolée, je me repens. Je prends 5 minutes avec toi maintenant pour te dire je t'aime. Je veux plus de toi. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Je t'adore de tout mon cœur. Mais vraiment, juste livrer notre cœur. Et que ce ne soit pas des paroles vides, comme on a lu dans le passage tout à l'heure. Que ce soit une réalité, que ce soit juste vraiment honnête. En toute simplicité. en toute franchise. C'est vraiment ce que le Seigneur veut. Mais Papa, vraiment, je te remercie pour ta présence merveilleuse, pour qui tu es, pour... Il n'y a pas de mots, Seigneur, il n'y a pas de mots pour te dire, Seigneur, à quel point tu es juste extraordinaire, à quel point nous sommes heureux, privilégiés, honorés, Que tu aies tout donné pour nous, pour que nous te connaissions, pour que nous ayons accès à toi. Accès au Père. Vraiment, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Merci Papa. Merci. Merci Seigneur.
Merci pour ce moment qu'on a passé, que ce soit vraiment, papa, quelque chose de nouveau. Que tu utilises la simplicité du peu qu'on a fait ce soir pour initier quelque chose de nouveau au sein de chacune de nos vies, au sein de notre assemblée, au sein de ce pays même, du monde entier, papa, que vraiment ce soit, que chacun de tes enfants entende ce cri qui vient de ton cœur pour un retour aux sources, un retour à l'intimité, un retour à ces moments de simplicité, Seigneur. À ces moments de cœur à cœur avec toi, papa. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia, amen. Amen. Franchement, je ne sais pas pour vous, je pourrais continuer pendant des heures, je pense. J'adore ces moments-là. Vraiment, je veux vous remercier d'avoir pris ce temps ensemble. J'espère que ça vous a béni. J'espère que vraiment vous avez utilisé ce temps pour aller plus loin dans le Seigneur. J'espère que le Seigneur vous a parlé, que vraiment il a révélé son cœur à vous. Je suis émue. Je veux vraiment vous remercier pour votre participation. Je veux remercier aussi toutes les personnes qui ont participé à rendre ce moment possible. Un grand merci à Harold et Sabrina Ladislas qui ont composé le morceau sur lequel on a pu adorer le Seigneur ce soir. Merci à David qui est derrière la caméra, qui a tout orchestré et tout monté, enfin tout préparé pour ce soir. Merci au Saint-Esprit, merci Seigneur pour tout. Merci à vous, merci aussi au pasteur de l'église de nous donner l'occasion de faire ça et de nous laisser cet espace. Que dire de plus? Je vais m'arrêter là, je pourrais continuer encore trop longtemps. Donc merci d'avoir participé à ce moment, que vraiment le Seigneur vous bénisse, que ce soit comme on a dit, le début de quelque chose de nouveau dans chacune de nos vies. Vraiment soyez bénis, soyez une bénédiction. Et on se retrouve très bientôt. Bonne soirée.